Déjà, à la maternelle, j'avais compris qu'il valait mieux être blanche aux cheveux lisses que noire aux cheveux crépus. Et j'entends cette phrase de mon grand-père qui dit « Il faut travailler à l'école pour avoir un bon métier, pour surtout ne pas faire comme papy et mamie, travailler dans les champs de bananes. » C'était drôle, quand Martine m'a posé la question « Black planche neige, ça te fait penser à quoi ?» J'ai souri. Je devais avoir 8 ans et demi ou 9 ans. Avec ma tante, on avait été au supermarché. Elle m'avait dit de choisir un livre. Et c'est là que j'ai découvert « Coup de tête à l'école », un petit livre de la collection « J'aime lire ». Bon, comme tous les enfants de mon âge, j'avais été attirée par les couleurs. Un livre qui, 10 ans plus tard, m'est resté en tête. 10 ans plus tard ? 10 ans plus tard. Et pourquoi ? Pour une fois, l'héroïne de l'histoire était une jeune fille noire. Le rôle de Blanche-Neige avait été tiré au sort. Trop de filles dans la classe voulaient le rôle. Et là, surprise, Mona, la fille noire, c'est elle que le tirage au sort a désigné. Bon, Mona, tout comme moi, elle est issue d'une famille nombreuse. Moi, j'ai 3 petits frères, elle 3 petites sœurs. Bon, tu t'es prise pour Mona, quoi. Totalement. C'est un livre que j'ai dû relire, lire à nouveau. Je crois même qu'il a dû finir dans un rangement de printemps. Bon, figure-toi, je l'ai retrouvé à Villiers, à la bibliothèque Jean Jaurès. Et alors ? Bah ouais, c'est drôle de lire un petit livre comme ça qui m'avait autant plu quand j'étais petite. Bon, tu l'as redécouvert, et alors, est-ce que tu l'as autant aimé ? Tu vois, j'ai redécouvert directement le personnage de Flora, la fille que Mona admire dans la classe. Elle ne lui trouve que des qualités jusqu'au jour où tout prend notre tournure. On a toutes dans notre vie une fille que l'on admire. On trouve que chez elle, tout est beau. La voiture de son père, ses vêtements, sa maison, son chien. Elle est première de la classe. Elle vous aide à faire vos devoirs. Elle vous donne même ses vieilles fringues. Et vous dites, elle est super gentille cette fille. Quelle chance, je suis sa copine. Jusqu'au jour du tirage au sort. Bah ouais, là c'est normal. Là c'est bas les masques. Parce que Flora, fort de son ascendant, distille des paroles qui déstabilisent Mona. Mine de rien. Bon, elle en prend pas tout de suite conscience. Après, il y a la maîtresse qui assure à 100% le tirage au sort. Et puis, il y a Jugé et Selim, les deux garçons que Flora qualifie de voyous. Pour elle, eux non plus ne sont pas dignes de jouer le rôle du prince et du chasseur. Du coup, bah Mona, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle passe le filet des préjugés. Elle se fait de nouveaux amis. Son point de vue, il change. Elle gagne en assurance. Et surtout, elle n'a plus besoin de Flora pour apprendre son texte. En fait, Mona se retrouve à devoir jouer un rôle qu'elle se croyait incapable d'assumer. Parce que tout simplement, jusque-là, les autres ne lui reconnaissaient pas le fait d'être... Comment ? Assez jolie, c'est ça ? Peut-être pas assez intello même, je dirais, pour prétendre au rôle de Blanche-Neige. Une princesse. Une princesse quand même. Bon, après, ça part en APN, je te rassure. C'est pour les 6-10 ans, l'histoire. Ouais. Blanche-Neige, comme personnage légendaire, ça fait courir les petites filles. La magie fonctionne toujours. Mona Blanche-Neige. Mona Perle Noire. Ça produit une sorte de pensée magique. Il y a l'anthropologue Claude Lévi-Strauss qui dit à peu près que la magie est efficace parce qu'il s'agit d'une croyance collective dont les symboles sont agissants. Dans cette version, le miroir magique révèle une autre beauté possible. La formule magique est réactivée, elle est renouvelée, et je dirais même qu'elle est actualisée. Voilà, même un petit livre comme celui-là, et bah, l'air de rien. L'air de rien. Thank you.
Nobody loves the head of a dandelion. Thank you.
Noir de peau. Noir de peau. Noir de peau. He goes to where you are, inside that star, forgiving lemonade and messenger. As you drink, the eyes grow up to you through the bottom of the jar. Through the sick, sweet water, forgiving darkness, which he does in us. The pieces of Charles Lane could become prepared only on the basis. Only those who talk their talk through the belly have been or the touch of black and white bed, and taut skin and strings echoing the living heart with its true form. Only they would have connect the heart of the red man to the acephalic man, to the muscadine, to the flesh and the red behind the pieces of man. And come up with what all of that meant in joy, in pain, in anger, in loss, and give it its final and pervading ache of freedom. Only a musician could sense, know without even knowing that he knew, that Charlie was free, dangerously free. Thank you.
Wait a second. Thank you.
Nobody loves the head of a dead lion. Nobody loves the head of a dead lion. Nobody loves the head of a dead lion. Nobody loves the head of a dead lion.